Salut à toutes et à tous, c'est une vidéo de Price LGDC. Alors aujourd'hui on se retrouve pour du Farming Simulator 2013. Donc là on va sur ma map que j'ai créée il y a déjà un moment. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu une vidéo présentation. Moi j'y ai déjà beaucoup joué. Donc vous avez une maison, vous avez des objectifs, vous avez plein de véhicules. D'ailleurs, moi j'en ai acheté un peu beaucoup. Donc vous pouvez mettre des mods et tout dessus. Il y a même des animaux, regardez. Chasse aux papillons. Bon, on n'est pas vraiment là pour ça. Donc oui, ça lag un petit peu beaucoup parce que j'ai installé beaucoup de mods dessus et que bah ça, c'est dérangeant quoi. Enfin, c'est pas dérangeant, c'est ça bug, voilà. J'avais vu l'essentiel du bug, regardez. Je fonce droit dedans. Et voilà. Là, je suis dedans. Vous pouvez constater, je suis dedans. Et là, je suis pas dedans. Regardez. Il est là. Hein? Vous voyez bien les pieds, là? Eh ben, ils sont toujours là. Bref. On n'est pas vraiment là pour les bugs. Donc, les objectifs, par exemple, dans Farming, il y en a plusieurs. Vous devez récolter, farmer, quoi. D'où le nom Farming. Donc, quand vous farmez, vous gagnez de l'argent en vendant vos cultures. Par contre, vous ne pouvez pas vendre les champs. C'est ça que j'ai trouvé bête quand même. C'est qu'on ne peut pas vendre les champs. Mais sinon, c'est beaucoup. Je trouve que ça peut être bien. Donc voilà, moi j'ai acheté plein de véhicules comme les faucheuses. Faucheuse, c'est ce qui sert à couper l'herbe. Donc vous appuyez sur C pour vous mettre à la première personne. Donc hop. J'ai planté du maïs il n'y a pas longtemps, donc je vais voir s'il a déjà un petit peu commencé à pousser. Et je vais laisser. Alors oui, alors vous voyez ce que je vois, bien sûr. Un enchaînement de remorques. Ça, c'est quelque chose que je vous éviterai de faire. Que je vous dirai d'éviter. Parce que pour vous dire, regardez. Hop. J'ai tapé un coup, regardez. Tout est déréglé, quasiment. Donc, je vous dirais d'éviter, mais c'est pratique si vous voulez avoir. Si vous voulez pas faire 35 aller et retour pour vendre les récoltes. Ça peut être utile. Donc, ce tracteur-là sort d'un mode, le JCB. Donc je vais éviter de faire trop long parce que comme ma chaîne YouTube est récente, et pas si vieille que ça du coup, comme elle est récente, je n'ai pas réellement établi mon compte, j'ai juste créé ma chaîne, je ne peux pas faire des vidéos de plus de 15 minutes et avec le montage ça en prend beaucoup. Donc je vais pas faire longtemps, déjà on est à 3 minutes et quelques. Donc je vous ai présenté un petit peu, voilà, l'enchaînement. Bref, donc là on va aller voir un petit peu comment s'en sortent les gens qui travaillent pour moi. Parce que oui, dans ce farming là aussi on peut, parce que si vous ne connaissez pas celui-là et que vous voulez commencer farming, je vous conseille vraiment de commencer par celui-ci. Après, il y en a plein d'autres, hein. Vous inquiétez pas, il y a eu le 2014 qui est sorti, mais moi je l'ai que sur DS, donc peut-être que je ferai une vidéo ou deux dessus, mais pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas les codes de triche, voilà, on ne peut pas avoir beaucoup d'argent. Donc, comme vous le voyez, attendez, je sais pas si vous voulez bien, là, on a l'argent que j'ai. Donc je vais refaire une vidéo après, un petit peu à l'arrache, vous voyez.
Voilà, là c'est les cultures de maïs. Vous pouvez aller dessus. Alors je vous montre un petit peu le déploiement de cette fossileuse pratique, on va dire. Donc haut pour le déployage de la buse, pour déployer le. Enfin, pour tout déployer, c'est X. Regardez. Là, ça se relève et ça se rentre. Mais la buse, faut toujours appuyer sur haut pour plier, déplier et faire quoi que ce soit. C'est toujours comme ça. Je vais regarder. Ça avait fini de se ranger? Bon, d'accord. Donc là, voilà. Alors, on va faire un petit tour rapide de tout ce que j'ai en engin. Donc voilà. Voilà. Alors, attendez. Voilà. Donc, pour ça, c'est ça.